وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand vous le voyez ». Donc il a attaché l'entrée du mois à la vision et non pas à la présence du croissant de lune. Il peut être présent, existant, mais tant qu'il n'est pas vu, il n'a pas ordonné de jeûner. À la différence de la salat, Allah Ta'ala n'a pas ordonné, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vision, mais à la présence des signes et au moment de l'entrée de l'heure, on prie. Il n'est pas lié à la vision, à la différence du jeûne. Et c'est pour cela que les savants ont accepté de traduire les signes distinctifs des horaires de salat par des calculs et qu'ils l'ont refusé pour l'entrée du mois de Ramadan. Car pour l'un, la vision n'est pas une condition et pour l'autre, la vision est une condition. Donc ceux qui disent pourquoi on accepte les calculs pour la salat et on n'accepte pas les calculs pour l'entrée du mois de Ramadan sont en réalité des grands ignorants des hadiths et des paroles des savants et des salafs, comme on va l'expliquer, Inch'Allah, en détail.